man kontan na ndax awo ci bopam bokku ñu won fu ñu ne mom mu nga won teungé man ma nga fi waye bu ko febar bu dalé ñun ñepp ñoo titoon titoon nañu lool ci xalé ñu wona lek ñu wona na febar bu metti ci mom fu nekk ñu jom faam mom ba yalla def nak ñu ngeen ñew ci mom ñu indi ko ci fofu ci hôpital tanena mu ngi jangale so mu ngi def yeb mu ngi nelaw ni sante rek na ke sante di len sante yalla na jëm kanam. Au commencement fut une volonté, celle de rendre le sourire aux enfants. Là-bas, sur les chaudes terres d'Afrique où la vie n'est pas souvent si clémente, d'une envie de servir est né un fou désir de rendre heureux. Le bonheur n'a pas de prix. Il est dans le profond désir d'aller vers l'autre. La Fondation Common s'en est allée sonder l'imaginaire des enfants pour faire face aux songes ludiques d'une vie innocente. La tâche fut grande, l'œuvre immense, la volonté ferme. C'est un rêve qui est devenu une réalité. C'est un rêve de pouvoir prendre en charge les enfants cardiaques et qui ont besoin aussi d'une chirurgie. Et cela est venu de la rencontre de bonne volonté de personnes au grand cœur. C'est les rencontres d'amour entre la Fondation Cuomo, le professeur Alain Deloche de la chaîne de l'Espoir, son élève qui n'est pas là, le professeur Gilles Dreyfus, et qui l'a promis de venir ici à opérer les enfants, et la ténacité du directeur général de la Fondation Cuomo, M. Diaz. Là, l'hôpital est fait, donc les consultations ont déjà démarré aujourd'hui. Je pense qu'après, on se concentrera sur le dépistage des maladies cardiaques et la prévention. Le sourire des enfants vaut bien tous les gestes de la terre, surtout ces enfants si loin dans leur village caché. Cela se nomme Awa, Diarietou, Mamadou, et d'autres attendent encore leur tour, si pressés de voir leur vie améliorée. Le petit Mouamadou a 13 ans. Il est passionné de taekwondo. Il ne pouvait plus en faire. Et quand je l'ai vu après l'opération, il m'a tout de suite demandé s'il pouvait refaire du taekwondo. Je lui ai dit oui. Et il m'a demandé le score du match de football. Oui, c'est ça la vie.
Ainsi, ils pourront gambader, rire aux éclats, rêver leur monde plein d'étoiles qui brillent dans leurs yeux si innocents. Une vie n'a pas de prix, et le bonheur est le seul combat qui mérite d'être mené.